Bonjour tout le monde et bienvenue dans le tutoriel Minecraft épisode 1. Donc je suis Palo14 et Fanta n'est pas là, qui s'occupera d'une session session Skyrim qui sera bientôt mise en place. Donc bienvenue à tous les petits débutants du Minecraft, ou pas d'ailleurs. Je vais vous apprendre à faire des petites maisons défensives pour les nuits au début et fabriquer les outils les plus indispensables. Donc on va commencer tout de suite à prendre du bois qui est indispensable pour la fabrication d'outils et d'autres choses. C'est pratique. Donc c'est pas ce qui est le plus passionnant, mais j'ai besoin de bois. Pas besoin d'énormément pour le début. Donc, non, je sais plus ce que je veux dire. Donc voici des champignons. Avec ces champignons, nous pourrons faire de la sauce aux champignons. Il nous faut aussi des champignons rouges. Je ne sais pas si on trouvera dans cette aventure. Donc voilà. Ouais. Donc après, on va devoir s'abriter pour la nuit parce qu'il y a des mobs. Donc ces mobs sont par exemple des creepers, donc des petites bestioles vertes qui approchent près de vous, et dès qu'elles sont à côté de vous, elles explosent au bout de 3 secondes. Ça fait extrêmement de dégâts à vos constructions et à vous. Sinon il y a les araignées donc, qui grimpent au mur. Il y a les squelettes, donc qui sont des squelettes archers qui tirent des flèches. Parce que je réfléchis, parce que chaque fois j'en oublie. Il y a les Enderman, qui sont des grandes choses bizarres, noires, et quand vous les regardez, elles se téléportent vers vous et elles vous attaquent. Donc c'est chiant, je prends du bois. Hein. Qu'est-ce que je fais, moi? Du lag. Ah non, ça va. Donc voici un biome de désert, hein, des cactus qui font des dommages. Hein. Il y a des... Oh, j'aime les cactus. Aïe. Aïe. Du sable qui sont essentiels pour faire par exemple du verre quand on peut le faire fondre. Sans prendre un petit peu, hein, c'est jamais. Si ça doit suffire un peu. Hein. Donc j'ai du bois. Hein. Donc ça ce sont des couches d'arbres. Quand vous mettez... Attendez, je vais vous montrer. Je veux pas ici ce que j'aime pas, non. Plutôt par là. Mais d'ailleurs, je mets une couche d'arbres. On va attendre. Et dans plusieurs jours, ce sable... Enfin, cette petite pousse deviendra un arbre normal. Vous voyez? Quand un arbre est coupé, il y a ça et ça s'en va tout seul. C'est bien, c'est pratique. Et donc tout seul, ça s'en va. Des fois, il donne ça. Ça donne ça. Sinon quand on peut taper aussi. Donc des cochons. Taper son cochon et ça va. Quand il sera mort, ça vous donnera ses côtelettes. Mais je n'arrive pas à l'avoir. Donc là je tape à main nue. Hein. Bon vous me direz, c'est une pousse d'arbre dans la main, mais c'est compté pour main nue. On pourrait fabriquer des épées. Arrête de bouger les cochons. Donne-moi ta côtelette, donne-moi ta côtelette. Oh lui, là. Voilà. J'ai une côtelette. Vous pouvez la faire cuire et la manger, donc ce qui vous redonne pas mal de la barre de manger. Donc ça. Ça c'est un skin de Mexicain, c'est vrai. Vous mangez cru, mais ça vous donnera moins. Donc là, nous allons fabriquer une maison. Vous allez dire, hein, parce que là, c'est pas compliqué. Enfin, c'est pas une maison, hein, c'est un trou à rats. J'appelle ça un trou à rats. Puisque là, on n'a pas de problème. Et ok. Vraiment pas de problème, c'est bizarre ça. On est censé arriver à de la pierre, mais j'en vois pas. Oh, il y a que de... Bon, c'est bizarre parce que normalement, il y a des couches sur les montagnes comme ça. Voilà, on voit ici. Donc cette pierre, et c'est de la stone. La pierre, hein, tout simplement. Et donc pour casser cette pierre, il va me falloir une pioche.
pour me fabriquer une pioche, il va me falloir une table de construction. Voilà, c'est très simple. Hein. Bah, je vais la fabriquer à l'intérieur. Alors, pour une table de construction, le bois que vous avez coupé sur un arbre, et vous en faites des planches. Donc, voilà, vous avez des planches, vous en avez plein. Hein. Donc là, vous mettez dans votre petit atelier de crafting, voilà, 4 planches, et ça vous donne une table de crafting. Okay, hein, sur cette table de crafting, vous prenez ça et vous les mettez en deux comme ça. Ça vous donne des sticks qui sont des petits bâtonnets hein, qu'on va en faire une antenne. Et donc on va fabriquer une pioche. Une jeune fabrique, donc vous pouvez savoir que tous les outils que je vais vous montrer plus tard peuvent être fabriqués en bois aussi. Hein. Mais je ne les fabrique pas tout simplement parce que j'ai horreur du bois. Je trouve ça tout simplement nul. Et voilà quoi. je vois pas l'utilité. Ça se casse très facilement. Et c'est extrêmement lent. C'est bizarre qu'il n'y ait pas beaucoup de pierre. Donc au début, la pierre, ça sert quand même un peu. Hein. C'est pas une ressource rare. Hein. Ça, non, pas du tout. Absolument pas. Donc ça, par exemple, ça c'est de l'herbe. Quand vous le cassez, vous gagnez des graines. Et avec ces graines, vous pouvez faire de... du blé. Et avec ce blé, on peut faire du pain. Là, j'en vois pas. Si, voilà. Ça, c'est une graine. Vous plantez avec une bêche. Et ça vous donne... Et attendez. C'est quoi ça? Ça, c'est de la clé. Tu crois? Oui, c'est de la clé. Alors, de la clé, en fait, c'est... C'est de la clé, c'est tout, hein. Mais... Quand vous... Je crois que si vous faites fondre, je crois que c'est ça. Quand vous faites fondre de la clé, vous avez des barres de... Je sais pas vraiment, je sais plus c'est quoi le nom. Hein. Vous voyez, c'est... Ça se récupère sous l'eau. Quand vous êtes sous l'eau aussi, le temps de récupération d'objets est beaucoup, beaucoup plus long. Hein. Je vais prendre de l'eau. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Il est où la clé? On est vu par là. Là, voilà. Et donc ça va vous donner de la... Ah bah je ne sais même plus c'est quoi le nom en fait. Hein. On va voir ça tout de suite. C'est bon à savoir qu'il y a de l'eau ici. Ça peut toujours servir. Bah de toute façon, je dis ici, n'importe où. Mais... Peut-être chez soi, c'est toujours pratique. Mais moi, j'ai toujours pas révolu. Mon problème... Bon bah. De toute façon, je vais devoir me faire une petite mine. Hein. Donc on va commencer à prendre ça tout de suite, hein, ça sera tout de suite. Donc je vais me faire des outils de base. Hein. Donc ce qu'on aura besoin pour le début. Après vous en verrez un ou deux autres, mais pour l'instant on n'en a pas besoin. Donc, vous voyez là, quand je fais ça, je descends vers le vers la bedrock. La bedrock qui est un matériau indestructible. Mais clé, c'est ça. C'est indestructible, donc la cobblestone, c'est totalement indestructible. Non, c'est plus ce que je fais. Donc ça, on n'a pas besoin pour l'instant. Une pelle, pour creuser le sable et ça, la boue. Enfin, j'appelle ça de la boue. Donc nous allons vers la bedrock. Oh, puis mince, tant pis, on va fabriquer une. Et donc justement, ça va me faire un petit stock. Je vais fabriquer comme un coffre. On fabrique un coffre. Un coffre, voilà. Simplement, vous faites un cube avec du bois, des planches. Et ça vous donne un coffre. Je vais en faire deux. Parce que vous pouvez faire un coble, un coffre double. Vous voyez, vous posez un coffre. Quand vous posez le deuxième, il se fusionne. Mais vous pouvez pas en poser là après. Hein. C'est un petit peu gênant. Par exemple, la clé, je n'ai pas besoin pour l'instant. Hein. Ça non plus. Les champignons, pas pour l'instant, j'ai pas les rouges. Les cactus, j'en ai pas besoin. Ça non. Pas pour l'instant. Donc là, j'ai... Ah, regardez, il va commencer à faire nuit. Ce qui n'est pas bon du tout. Donc la nuit, donc il y a les mobs. Comme je vous ai expliqué. Et donc, on va mettre... Non, voilà. Là. De la bouse. Comme ça, les ennemis ils peuvent tomber ici.
Mais personne, absolument personne ne peut rentrer ici. C'est impossible. Bien sûr, c'est n'importe quoi. Ils ne peuvent pas rentrer, donc là, vous êtes chez vous. Je suis désolé, il va peut-être faire un peu sombre. Je n'ai pas de quoi fabriquer des torches. Pour fabriquer des torches, il va nous falloir... Donc, bah... Allez, on va faire ça tout de suite. Enfin, je peux pas en fabriquer, mais je vais vous montrer comment faire. Donc, d'abord, il nous faut la cobblestone. Donc, qui est obtenue quand on mine de la stone. Donc, les pierres, hein. Cobble, je sais pas ce que ça veut dire, par contre, mais c'est pas grave. Donc, je mine. Oui, ça va peut-être être un petit peu long hein, pour vous, j'en suis désolé. Mais il faut savoir que c'est quelque chose de crucial dans Minecraft. Quand vous débuterez, vous verrez, vous allez dire, oh, Minecraft c'est un peu chiant en fait, parce qu'on va tout le temps miner à côté du bois et tout. Mais vous verrez que quand vous aurez fait la plus grande phase, récupérer des diamants, de l'or, des... Genre, franchement, moi j'ai fait ça et maintenant les mines, j'y vais presque jamais. Parce que je suis un gros trouillard. Hein. D'ailleurs, faut que je regarde si je suis un normal. Normal, voilà. Donc Peaceful, en fait, c'est un mode qui fait que... Enfin, c'est pas un mode, hein, il est direct dedans. Qui fait que... vous ne... Il n'y a aucun ennemi. Ah oui, j'allais oublier comme ennemi aussi, il y a les zombies. Ils sont tout simplement des... Bah, des hommes, mais mutés. Et... ouais, c'est long. J'espère que vous y voyez quand même. Et... ils vous suivent. Et si vous touchez, ils vous font des guerres. On ne voit rien, hein. Il y a dommage, là. De toute façon, je crois que je vais l'agrandir un peu le trou. C'est tout pourri, j'ai envie de dire. Je vais vous montrer comment faire un four. C'est tout bête, il faut tout simplement ça. Je vais fabriquer des. Même trois, tiens, pour pas que ce soit trop long pour vous. Je vais vous expliquer le fonctionnement quand même, je suis pas vache. Mais avant, donc avec la pelle, je vais grandir un peu. Vous voyez, c'est très rapide. Hein. Donc là, vous voyez, donc là, c'est bon. Hein, normalement, on est arrivé au bout. Mais je ne fais surtout pas un trou ici. Parce que les araignées font deux de large et elles peuvent rentrer. Donc j'en fais un là. Ah, il voit. Ah bah nickel, je pourrais fabriquer des torches alors. C'est vrai, vrai, vrai. Je dois ressortir, trouillard que je suis. Donc je vais vous montrer comment faire une épée. Bien entendu, voilà, vous mettez un stick. Et les objets pour fabriquer l'outil. Donc ici, il y a cobble. Vous avez une épée en pierre. Sortons vite. Je ne vois pas d'ennemis. On a du bol. Donc c'est pas parce qu'il n'y a pas d'ennemis que je vais pas rentrer. Voilà, donc déjà, j'ai deux endroits où je puisse les taper. Hein. Est bien avantageux. Et donc là, je vais donc mettre mes faux. Comme j'aurai vraiment l'histoire là aussi. Oui, des fois j'ai des petits bouts de lag comme ça. Du côté. Oh oh. Oh oh. Voilà. J'ai eu un petit coup de frayeur. Voilà, ici ils ne peuvent pas rentrer non plus. Donc là, vous voyez, ici, par contre, s'il y a un squelette, il va falloir que je me mette une petite planque. Voilà. Donc là, au cas où, s'il y a un squelette, lui, il pourra me tirer dessus, donc je me mettrai ici. Et là, je serai planqué. Oui, c'est moche. Hein. Là, je vais et tout. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, vous montrer comment on fait... Vers ça. Ouais, c'est bien plus bizarre. Oui, ah, je crois que j'en ai... Ah, ça, c'est un squelette. Oui, il a un arc dans la main. Et il peut vous tirer des flèches de loin. Ils sont assez forts. Je sais, c'est pas rassurant. Un zombie. Viens, un petit zombie, viens. Non. Bon, c'est pas grave. Donc, pour alimenter, il vous faut... Bon, bah là, j'ai pas de charbon. Hein. Généralement, il faut mettre du charbon dedans. Ah, donc, je mets du bois et je fais cuire des bûches. Et donc, quand je vais faire cuire ces bûches, qu'est-ce que je vais... Ah, bah, qu'est-ce que je vais obtenir? Attention. Ting. De charbon. Et donc avec ce charbon, je vais pouvoir fabriquer des torches. Donc, je vais attendre un petit peu que ça se termine. Hein. Oh, ça c'est un zombie. Le espèce de... Tiens, attends. Ah, ça aussi. Voilà, on l'a.
Ces creepers, s'ils sont trop proches de vous, ils vont péter. Hein. Et s'ils pètent, ils pètent. Donc, ça voilà. Donc j'ai mon charbon. Ouais, ça, hein. Je te avec ce charbon, vous mettez le charbon ici et les sticks là. Voilà. C'est tout. Donc je vais devoir dire, vous dire au revoir tout le monde. Si vous aimez. Si vous voulez commenter, bah commentez, puis abonnez-vous. Allez, ciao ciao!